Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Marvel's Avengers. On continue la campagne. Ah, avec la deuxième mission de la bêta, où nous interprétons donc Bruce Banner cette fois-ci. Dites, pourquoi vous êtes revenu aux Chimères ? C'était pas moi, mais lui. Donc Hulk est plus patriote. La résistance ? Pour être franc, je crois qu'il y avait personne, Kamala. D'accord. Le grand gaillard s'est castagné avec quelques agents du SHIELD. Mais après ça, rien. Oh. Je vois. Alors ça a peut-être pu vous sembler que j'ai fait beaucoup de coupes dans le premier épisode, c'est pour enlever tout ce qui est petite tentative de tweak au niveau des options, par exemple, tout ce qui est écran de chargement, tout simplement. Attention à ta tête. Pour que vous ayez vraiment une expérience de gameplay complète et pas interrompue. Il se pourrait, cela dit, que j'utilise le système du jeu qui permet de automatiquement sélectionner le plus adapté des commandes, le plus récent, le plus puissant des commandes stuff. Ce qui permettra de vous montrer quand même que le jeu est un RPG. D'accord. Autre question. Ça ressemble à quoi, un disque dur datant de 1998 ? Sérieusement ? Alors, quand j'ai fait cet épisode de la bêta, ce moment de la bêta... Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça à Jersey City. C'est joli et paisible. Prends pas la pause, Bruce. Pourquoi tu prends la pause ? Il me laissait venir ici avant. Histoire d'avoir un endroit où me calmer. Casser des trucs. Je vois ça. Bon, bah, je crois qu'il est temps de. À moins qu'il y ait autre chose, quand même, avant, je vérifie. Bon, c'est loin d'être moche, hein. Clairement. Regardez ça, même les réflexions sur le. Oh là là. Sur le caillou. C'est parti, allons-y. Enfin, ça veut dire qu'on est proche. Tout sang. C'est bien scellé. Merde ! Envoyez des unités de capture. Docteur Banner, qu'est-ce que je fais ? Cours. Quoi ? Alors... Oups, pardon, Les sous-titres sont pas bien cadrés. Allez, dégage. Bonjour. C'est un monsieur tout vert. Alors, comme je le disais, donc il a déjà du stuff de niveau 6, c'est très intéressant. J'attends une réponse de votre part quant au fait d'utiliser ou non les skins par rapport à l'histoire. Parce que certains skins ne correspondent pas à ce que le personnage... porte pendant l'histoire. Hop. Oh, il m'a touché, l'enfoiré. Boum, allez, dégage. Restez bien comme ça. Merci beaucoup. J'aime pas ça du tout. Oh, non. Oh, ça se passe plutôt bien. Taïm est partout. Comment ils ont pu arriver si vite? Hop les. Salut les filles. Pas dit méchamment. Oh. Grenade flash. Allez, dégage.
Oui, j'ai découvert que tous les personnages avaient un contre. Je pensais que lui, il avait simplement, disons, une énergie pour se régénérer, mais non, c'était un contre. Allez, je l'ai eu. Ah non, je l'ai pas eu, il est là-bas. Alors, il est normal que les combos vous semblent très basiques au début. Alors si j'ai de la rage, d'accord, je pensais pas que je l'aurais dès le début du jeu. Je m'en rappelais plus trop. C'est normal, je n'ai pas donc débloqué les nouveaux coups. Les coups qui arrivent donc par l'arbre des talents. C'était toi ? J'espère que oui. Oui, c'était moi. J'espère que t'as apporté des vêtements de rechange. Nope, tout nu. Et donc, vous voyez, dans l'équipement, il y a normalement un bouton qui n'est pas apparu et qui est censé donc être un bouton me permettant d'utiliser directement une commande pour afficher les. Enfin, utiliser les meilleurs stuff. Il n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais sauter. Merci. Le tout, c'est de savoir sauter. Aux bons endroits pour éviter de passer à côté d'endroits où il y a des secrets. Ah oui, d'accord, je viens de voir seulement que ce saut là est un saut. À en croire ton silence, t'as pas dû trouver ça drôle. C'est non, c'était pas ouf. Je crois que Bruce non plus n'aime pas mes blagues. Ok, ok, je mentionnerai plus le type aux lunettes. Vous croyez que c'est par là qu'elle est passée, tout simplement? Alors, je vais bientôt pouvoir vous montrer ce que je cherche, hein, mais... disons que je sais qu'ils sont là parce qu'on a déjà fait la mission dans la bêta. Maintenant, j'espère que je vais pas me tromper. Voilà, en voilà un. Oh mon dieu, c'est étrange. Alors, je sais pas s'ils sont... affichés par la voie... par le bouton V. Il y a de l'écho, c'est énorme, c'est un détail ridicule. Et moi ça me rend complètement ouf le fait qu'il y ait de l'écho. Alors voilà, on y est. Ah, ah, il y a encore les blocages d'animation. Ça c'est moins bien. Donc ils sont légèrement visibles. Yop, yop. Hein? Ouais, t'as raison. C'est une véritable base. Et boum. Ah, encore une cage thoracique. Hey. Tout va bien? Ouais. Ok. Alors, ça va. J'imagine. En vrai, j'ai l'impression que Hulk il aime bien Kamala. Ils sont carrément installés ici. On doit trouver Jarvis et ficher le camp. Ce qui est une bonne chose. Jamais j'ouvre le coffre. Toc toc. C'est qui? C'est moi. Moi qui? Moi Hulk. Oh merde. Ouh, attends, attends, de mémoire, voilà. On fait quand même le tour, on n'est jamais trop prudent. Il me semble qu'il y avait des choses ici, ouais. Ah, j'ai une bonne mémoire.
Ok. Il est bugué mon Hulk du menu. Il est bugué mon Hulk. Non, c'est chiant. Attendez. Ah, j'ai rechargé la skin et c'est bon. Oh, ça va alors. S'il suffit que de faire ça. Plus attaque à distance, je dis oui. Hop là, on y est. L'AIM a dû s'installer ici. Eh ben on va les dégager. Tu crois toujours que Monsieur Stark est là? Je pourrais entrer dans ses conduits et regarder. Ouais, ouais, ça marche aussi. Salut les mecs. L'AIM est partout. Fais diversion et je vais essayer d'entrer. Fais quoi? Ils ont posté des gardes partout. C'est peut-être pas une bonne idée. Oh la pauvre madame. Ils sont en train de tout verrouiller. J'y suis. Oh, ces conduits sont énormes. Non, j'ai pas eu le temps. L'AIM a construit le bâtiment autour des archives d'origine. Tout est neuf. Viens par là, toi. Fuck, raté. Non mais, oh, oh, oh. Oh, oh, le vol plané qu'il a fait. J'avais pas vu. Et oui, on est en mode difficile, les amis. Ça va pas être du gâteau. Aïe. Ah, ils m'ont eu! Ils m'ont eu! Je pensais pas. On va essayer de rester. Fais diversion et je vais essayer d'entrer. Oh, du loot! Ils ont posté des gardes partout. C'est peut-être pas une bonne idée. Oh non! Ils sont en train de tout verrouiller. Faut savoir qu'un des intérêts normalement de jouer en brut, en difficile, c'est d'avoir un loot rapidement meilleur. Les buts sont énormes. Plus rapidement meilleur. On dirait que l'AIM a construit le bâtiment autour des archives d'origine. Tout est neuf. Oh la vache! Bon, alors, ça va être plus dur que prévu, semble-t-il. L'AIM est partout. Fais diversion et je vais essayer d'entrer. Ils ont posté des gardes partout. C'est peut-être pas une bonne idée. Ceux qui s'enfuient. Oh, ils sont en train de tout verrouiller. J'y suis. Oh, ces conduits sont énormes. On dirait que l'AIM a construit le bâtiment autour des archives d'origine. Tout est neuf. Oh là. Putain, et là je suis bloqué. Ça y est. J'ai réussi à le frapper une fois, mais... Ok, j'ai réussi à rechoper de l'énergie en... En utilisant... Oh, du bleu, nice. Oh, le pauvre. L'objectif, c'est d'éviter qu'il reprenne son... Ah! What? Allez, bouffe! C'est eux le problème.
Hop là, viens par là toi. Ok. Oh, j'ai réussi à la... Je suis vexé s'il l'avait récupéré. J'aurais été vexé s'il l'avait récupéré. Ce soit clairement dit. C'est le problème que j'avais avec Thor, avec Hulk dans la bêta, c'est le fait qu'il était très lent. Et dès qu'ils avaient un bouclier en face, et bah c'était très redondant, on va dire. Tiens, j'ai un caillou, regarde. Tu veux le rencontrer ? Bonjour. Voilà, merci. Va faire un petit tour de vol plané à la crypto dans Destroy All Humans. Oh, ça l'a pas tué. Tiens, cadeau. J'avais oublié les détails. Y'a pas genre un synthoïde ou un truc qui arrive en plus d'ailleurs. Oh, j'ai eu chaud. Ils ont failli me repérer. Ça, je m'en rappelle par contre. Et merci. Hop là. Non! Le diva loot! Oh! Oh! Et un coffre doré avec ça! Nice! Mais alors, du coup, en bas ils peuvent pas me rejoindre! Ok, c'est parti, on a légèrement amélioré le personnage, on a mis le loot, on a mis les points. Allez, dégage! En tout point parfait. What the fuck. Je le sais, mais je suis surpris que le jeu me le rappelle. Ouh. Viens par là. Salut. Oh, il vient de te frapper. J'ai pas eu le temps de la... Ok. Ok. Pourquoi est-ce qu'il est important et plus difficile que je parle les coups par rapport aux parties normales? Parce qu'il est nécessaire d'en parler. Tout simplement parce qu'en fait, en mode, plus vous augmentez le mode difficulté du jeu, plus le laps de temps pour esquiver est réduit. Donc forcément, pour moi, ça va être un peu plus dur que sur certaines autres vidéos que vous allez peut-être voir du jeu. En tout cas, pour le début de l'histoire. Viens par là. Tiens, attrape. What? Tu oses le robot? Où est-ce qu'il est l'autre? Touché. C'est là qu'il fallait que je vienne. Cool. Vous m'enfermez? Vous êtes sûr de vouloir enfermer Hulk? C'est le genre de mec qui vous fait pas le ménage hein. Enfin en quelque sorte si, mais y'a plus de pièces derrière. Voilà, ça faisait longtemps. C'est pas la bonne licence, mais... Viens par là, toi. Ah, j'ai pas réussi à le choper. Oh bah. C'était pas prévu que je le chope comme ça, mais écoute, pour une fois que ça marche, couché. Ah bah. Le petit tutoriel pour améliorer la puissance de niveau 10. Très bien. Ah oui, d'accord. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour gaspiller de la ressource au début du jeu. Bravo! Cassez porte! Cassez porte! Cassez porte! Tarleton est ici. Allez, couché. Oh,
Non. Je veux dire, ouvrir porte. On se rejoint là-haut. Ce sont peut-être les archives. Knew it. Toujours sympa tout le bordel. Ah, je suis pas unstoppable Hulk, l'instoppable Hulk, je suis l'incroyable Hulk. C'est en bas. Je crois pas qu'il sache que je suis là. Docteur, je sais que vous m'entendez. Je vous en prie. Y'a pas un petit cop. Ah. Ah 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 ouais. Oh. Blablabla. Vous voulez vraiment vous la mettre comme ça? Parce que c'est possible, hein. Oh le pauvre. Alors je croyais que quand ils sont... C'est assez chiant d'ailleurs. Ah, je vais pas esquiver dans le bon sens. Dommage, il y a des explosifs là-bas, mais... Ils sont plus durs à atteindre que prévu. Pas besoin de la sécurité. Oh, bonjour. Mais non, pas besoin de la sécurité. Je croyais que ça s'ouvrait en bas, moi. J'ai essayé. Je peux monter en passant par le labo de recherche. Tu vas pouvoir forcer la salle des serveurs. Salut les drones. Oups. Ah. On sent que la... What the fuck? Je crois que c'était un impact tout autour, mais non. Non. Tant pis, on va aller le chercher, hein. Viens par là. Merci. Bam, bam, et boum. Toujours pas? Attends, on va y arriver au bout d'un moment, hein. Voilà. Tu vois quoi tu veux. Ils sont solides, ils sont solides. J'avais pas vu, autant pour moi. Là, voilà. Toc toc. Pas toc. Ça fait deux fois que j'ai de le prendre et que ça arrive pas à le prendre. Je suis vexé. Fais là ta parade, vas-y. Aïe, il y en a enfin un où je peux faire E avec. Boum. Bouffe le pied. Très bien. Ok. Salut. Vous voyez que... Oh. Ah, c'est peut-être la suite tout simplement par contre. Vous voyez qu'il a repris les dégâts de chute. Il a repris les dégâts de chute. Voilà. J'aime pas en laisser un derrière. J'imagine la frayeur du mec qui voit un Hulk lui courir dessus sur 20 mètres. Et qui se dit que chaque pas, chaque petit pas où il aurait pu être plus proche, que chaque petit pas où il aurait pu être plus proche est un pas qui va lui en vouloir Hulk derrière.
Attends. Alors ça, je l'aurais jamais deviné qu'il y avait des trucs à récupérer là-dedans. La question, c'est est-ce que c'est véritablement récupérable? Oui, autant pour moi. Je peux encore vous aider. Ouais, bien sûr. Eh oui! C'est ça que j'avais... C'est ça, je savais bien qu'il y avait un truc que je cherchais. Que je ne trouve... Le mec a mis tout ton chargeur, quoi. Hop là. Voilà! Je savais bien qu'il y avait un truc dans le coin qui était... secret. Salut les mecs! On va jouer distance, hein. Je sais pas si ça a fait les dégâts escomptés, mais si ça a fait un strike, très bien. Putain, le temps passé en l'air, ils l'ont mis dans le nez, hein. Je suis vexé. Le temps passé en l'air, là où ils m'ont tiré dessus, c'était pas prévu. Allez, ouvre. Laissez-moi vous aider, Bruce. Il n'est pas trop tard. Ok. Toi, je te garde, je t'aime bien. Quoique. Tiens, va voir ton pote. What? J'ai dit, va voir ton pote. What? Je suis vexé. Non, véritablement, je suis vexé. Il y a les tourelles, j'avais oublié qu'il y avait les tourelles. Okay. Ah bah oui, parce que lui il a le droit à une attaque. Voilà. T'as déjà été dans des explosifs? Ok, celle-là on l'a esquivé. Elle est couchée. Je suis dans une pièce. Va falloir que ça rentre. Le laboratoire de télégénèse. Qu'est-ce que c'est? Télégénèse. Peut-être le moment, l'endroit où il donne les pouvoirs. Si on devait chercher un peu plus loin. 9. 7. Oh, une petite douche. Ah, ça faisait longtemps. Merci pour la douche. Bon, je suis pas plus propre, mais... Point de compétence, niveau 3, activé. Très bien. Réussi. Des fois, quand je regarde la caméra, je me dis qu'elle est un petit peu sale. J'espère que ça va. Oui, ça va. Oui. Ça pue, hein. Qu'est-ce que... J'ai pas c'est là qu'il est torturé. Hulk. Il faut que tu détruises ce laboratoire. Écrase. Immobilisez-le. Ça, c'est un mot. Banner. Bonjour. Vous étiez le seul. Nous essayons de réparer les dégâts que les Avengers ont causés il y a des années. Que nous
Oh non, il y a une animation sur ce truc là. Il ment, il s'en fiche de sauver des gens. Raté. Bah normalement je me le suis pris celui-là, mais apparemment c'est une esquive parfaite. T'es sérieux là? Il te reste un poil le cul de PV? Non mais oh. Non, je veux pas respecter surtout. Restez bien comme ça, c'est magnifique. Strike ? Strike ? Oh, il y en a d'autres. Wouhou ! Oh, les pauvres. Alors, mon personnage est coincé dans une box. Voilà. Il y a un autre gros qui est arrivé. Mais il faudrait que je m'occupe du pacificateur d'abord avant qu'il ne s'amuse à se téléporter partout. Merci. Il y a des drones aussi apparemment. Encore ce manque. Ce mange. Ah, j'avais oublié les drones l'espace d'un instant. Voilà, couché. Bah alors, on la loupe aussi son attaque? Pour une fois que c'est pas moi. Oh. Oh le duo d'attaque que j'ai complètement paré. Oh, pardon, j'ai le doigt qui a glissé. Salut les mecs! Retournez d'où vous venez. Allez! Oui! Cette fois-ci elle passe l'animation! Bon, j'aurais bien aimé pouvoir le finir avec un petit E, mais. Le respect m'en empêche. Soyons. Ah, d'accord, cinématique! Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais moi je suis pas du genre à partir et à m'enfuir. Big badaboom! Big boom badaboom! Hop là. Geronimo! Tu vois bien? Pas de raison de s'inquiéter! Des deux coffres, rien que dans cet angle de caméra. Trois coffres. Un là, sûrement. Un là et un là-bas. Luke, je crois que j'ai trouvé les archives de Monsieur Stark. Je vais essayer de les ouvrir, ok? Ah bah oui, pour rattraper le temps sur lequel on n'a pas joué avec elle. Ah, c'est malin comme un... singe. Allons-y. Oups, c'est pas ce genre de plan que je voulais avoir. Je voulais surtout avoir le détail des commandes sous les bras. Voilà. Joli. Bon, les interrupteurs, concentre-toi, Kamala. Bah, je suis concentré, moi, merci beaucoup. Ouh, je pensais pas partir aussi loin, mais écoute. Non, ça c'est pas une caisse qui s'ouvre. On connaît le principe de cette mission au fur et à mesure. Bah alors. Ah, y'a un ordre, d'accord. J'avais pas pigé ça pendant la bêta. Au fur et à mesure des lumières qu'on va allumer, il va y avoir des ennemis qui vont pop. Oh oh. Salut, et si on s'asseyait pour discuter un peu?
Aïe. Bon, je dirais que je vais devoir me battre. Concentre-toi, calme. Ah bon? Tu peux y arriver. Tu auras besoin du top là. Hop les, merci. Dégage. On est passé à deux doigts de la catastrophe je aussi. Que hein. Je dois utiliser des interrupteurs pour activer le courant. Non, tu crois? Putain, je sens encore le pancake. Je vais juste vérifier, j'ai pas de points de compétence supplémentaires parce que là il va m'en falloir. Hein. En termes de défense contre les personnages avec des boucliers, ils sont. Vraiment, le bouclier va être. La source numéro 1 de mes problèmes. Hein. Ah, ils attaquent deux fois, c'est chiant. J'aimerais bien qu'il y ait un de ces violets qui se téléporte sur moi. Tiens, tombe. Mince, je crois que, non, je crois que c'était le cas, mais non. Dommage. Allez, dégage. Le jeu a tendance à vouloir faire apparaître. À vouloir faire afficher les. Les. Comment. Les apparitions de mobs. C'est pas une mauvaise chose. Et... Oh bah. Allez, dégage. C'est génial ce combo, j'adore. Salut. Allez, au revoir. Si tu ratterris le. À vos ordres, tout était prévu pour que j'arrive sur cette plateforme. Vous n'avez rien vu venir, mais tout était prévu. Des drones. J'espère que c'était le dernier. Désolé, mais non. Et tu sais quoi? Top là! Oh merde, ça l'a pas poussé aussi loin que prévu! Aïe. Ouh. Je sais pas ce qu'il s'est bouffé, mais il s'est bouffé un truc. Allez, toi, tu viens là et tu me redonnes de la santé. Merci beaucoup. C'était caché. Mais il est sous tension depuis une demi-heure. Le courant, ça met pas une demi-heure avant d'arriver dans. Dans les fils. J'espère que t'es ah oui. Il se cache peut-être dans cette pile d'équipements super cool des Avengers. Allez, Kamala, il faut que je trouve un indice. Ouf, t'inquiète pas, tu vas être contente de tout ce que tu vas trouver. Déjà, de l'équipement, ça fait toujours zizir. Non, c'est par ici. Pourquoi exposer de la pyrite quand on peut se payer ce qu'il y a de mieux? Faut que je continue de chercher. C'est une prise électrique, Marcus, le truc qui brille en rouge. Alors, on a chopé du meilleur équipement. Voilà.
What? Ah oui, 4, oui, c'est vrai, elle est pas aussi forte que. Mark One! Est-ce qu'il comptait repasser prendre tout ça un jour? Ah bah, j'espère bien! Ah! Je crois que ça appartenait à Thor. C'est peut-être un levier secret? Ah, non, juste une shop. Bah oui, c'est juste une shop. Une super shop. Oh oh. Je crois pas qu'elle avait d'anima... Elle avait pas cette animation là dans la bêta. Je crois qu'elle marchait droit devant et sa tête passait à travers et clippait à travers. Encore une veste verte. Mais elle est pas mieux. Hein, c'est ça. Ok. Wow! Pour Tony de la part de Pepper. Je sais que c'est pas le moment, mais c'est carrément génial! La guitare de Tony Stark! T'as vu ça? Qui par sa force et son le courage sauvera l'Amérique! J'ai été exposé au Hayday. Tu n'ouvres pas de passage secret, si? Ça valait le coup d'essayer. C'est con quand même, hein, parce que des fois que. Il y avait par exemple cet endroit là, là. Le jeu voulait pas qu'on y aille dans la bêta, ça, ici. Waouh. Ça, je l'avais pas vu. Le quartier général de la côte ouest. Bizarre qu'il ait gardé ça. Toujours aucun. T'as pas intérêt à toucher la souris pendant la l'animation. Oh, un coffre. Un autre coffre. Et une BD. BD qui n'était pas affichée en HD. J'aurais vérifié quand même qu'on est bien en brutal. En difficile. Jouabilité. Difficile. Nice. Je trouve qu'on monte pas assez vite à mon goût. Mais bon. Il y avait Cap, il y avait Banner, il y avait... Oh, c'est dommage, j'ai pas le temps de la voir encore. On va essayer de la revoir juste après, mais... Je crois qu'elle enchaîne la cinématique. Mais non. Faut faire éjecter. Jarvis. Just a Razor Very Intelligent System, Jarvis. Maintenant, faut que je trouve Hulk et qu'on fiche le camp. Demain, j'aurais bien aimé revoir la photo. Qu'est-ce que tu as là, Vermine? C'est le mec tout vert avec des pics et des écailles qui m'appelle Vermine. Tu peux toujours essayer. Oh ouais, un gros gros. Très décevant. Coucou. Je te souhaite un bon retour parmi nous. Ça a pas l'air d'aller très fort. Ah, synchro labial. Trouvez la fille et poussez-vous de mon chemin. Quelque chose ne tourne pas rond. Tu es différent. Oh merde. Elle est peut-être pas parable aussi celle-là. Un cadeau pour toi. C'est à cause de Banner, pas vrai? De sa culpabilité? Il semblerait que moi je me prenne des dégâts de foudre, mais pas lui. On va attendre qu'il réapparaisse là. J'arrive pas à le... C'est pour moi, c'est moi. C'est moi qui me fais chier à le pousser dedans.
Oh la vache. Alors, je pensais que ça allait être des... Quelque chose ne tombe pas rond. Tu es différent. Un cadeau pour toi. Voilà, bouffe. C'est à cause de ton malheur, pas vrai? Et rebouffe. Culpabilité. Oh, viens par là. Viens me voir. D'accord, faut juste esquiver l'onde de choc. Ah, je suis vexé. Le coup du je recule pas cette fois-ci. Je sais pas si ça, ça casse aussi. Aïe. Oh. On aurait cru une prise de catch. Pas l'impression. Salut. Je rêve où il a utilisé. Ah non, c'est du poison. Ça lui fait des dégâts sur le temps. Ouh. Aussi, je peux le faire. Débarrasser de banal ni l'accepter. Tu es coincé entre les deux comme un singe stupide. Mais oh, tu vas te calmer sur le stupide. Le stupide, il esquive tes coups, n'empêche. Alors, vas-y. Viens. On remarquera pas que un coup de sa part m'a enlevé un bon tiers de mes points de vie. Si ce n'est plus. Peut-être pas un singe. Aïe. Aïe. Parle dans le micro, s'il te plaît. Aïe. J'ai trouvé le plan des archives. Je devrais pouvoir te rejoindre. J'ai hâte qu'elle se joigne à nous. Ah non. Ouais. Pas prévu. Est-ce que tu sens ça? Ouais, tu pues, oui, j'ai bien vu. C'est ici que j'ai évolué. Bah viens par là, tiens. On se marre deux secondes. Où est-ce qu'ils sont? Ah ah! Viens par là! Oh! Wouh! Putain, il est vénère d'un coup! Oh la vache! Allez, bouffe! Faudrait que j'arrive à l'envoyer dans un truc électrique. A chaque fois il pète et il pue. J'aimerais l'envoyer dans un truc électrique. On va attendre que ça repop, tant pis. Prise de risque. Allez, viens là. Allez, viens. Oh non! Je suis carrément vexé, j'arrive pas! Allez, bien! Ah, il y a une QTE! Boum. Un peu plus à gauche, un peu plus à gauche! Ah, dommage! Bon, fuck it!
Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non plus. T'as du bol, quel poison. Wouah, ça fait une demi-heure que je te frappe. Eh ben non. Eh ben non plus. Et toujours pas. Ah bah là il prend cher. Oh, encore raté. Ouh, boum. Oh là là. Oh les orteils comment ils... Blablabla. À tous les fétichistes des pieds. Si j'ai jamais compris ça. C'était pas assez balèze la boule. Fallait plus gros. Alors il pourrait émettre un rugissement. Mais non, il émet un énorme rugissement. Est-ce que... Ce carnage. Est-ce qu'il est mort ? Non, je suis pas un assassin. Où est-ce qu'on est là au fait ? Bon, je pars toute seule. Ok. Montre-moi tes secrets. Dieu merci, il reste un PC qui marche. Attendez, s'il vous plaît. Du calme. Dans un moment, tout sera fini. Administrez le remède. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais vous lui faites mal ! Parle pas une vidéo. Tu me diras, je parle à un jeu vidéo, moi, mais... Mais c'est pas pareil. Le résultat est prometteur. Le sujet 705 a très remarquablement récupéré et sera surveillé les prochaines 24 heures. Félicitations. Vous êtes guéri. Quoi, mais c'est impossible. Il faut qu'on sorte d'ici. C'est trop dangereux. Ouais. Bien sûr. Des problèmes de synchro labial, c'est pas ouf. Mais bon, encore une fois, je pense que le patch Day One n'est pas sorti. Il est censé peser 18 gigas, j'ai pas eu 18 gigas de patch à un moment ou à un autre. Bon, bah, si tu veux, tu peux rendre l'endroit un peu plus... douillet. Oh, merci. Et... Ça va ? J'ai pas l'habitude de te voir aussi calme. Oui, c'est rien. Ok. Ok. Bon, bah... Ok. Et si c'était vrai ? Pardon, tu disais ? Le remède. Si c'était vrai, enfin... Ça a l'air d'être vrai, mais... Si je pouvais redevenir normal... Cultivez votre différence. Tu sais... Ça marche pas comme ça. Tu les as bien vus, non ? Ça a l'air de faire très mal, mais... Peut-être que ça vaut le coup. Kamala. Je m'étais jamais intégrée avant. C'est vrai, j'admirais tellement les super-héros et... Je me disais que si... Si je pouvais gagner ce concours d'écriture de fanfiction, je sais pas, tout serait peut-être plus... Ah, peu importe. Regarde-moi. Je suis un monstre. Mais non, t'es... Tu
tu as vu ce que tu as fait? Hé? Faut être très courageux pour faire ça. C'était stupide. Mais très courageux. Et... peu de gens en seraient capables, tu sais. Le bien, c'est pas ce qu'on est. Hein? Discussion philosophique? Non, c'est rien. Merci. Cette pièce est très bien. D'accord. Où elle le sera. D'accord. Enfin, ça... Oui. Elle est plutôt... chouette. Ouais, merci. Ok, j'ai des choses à faire. Merci. Ok. D'accord. Bravo, Kamala. C'était pas gênant du tout. Mais maintenant, j'ai ma propre chambre dans le chimère. Je crois rêver. C'est quand même assez classe pour connaître. Alors du coup, pendant qu'on est à l'intérieur, je remettrai bien... un... tenue normale, comme Banner. Je parie que la vue devait être superbe quand cet engin volait. Peut-être que Monsieur Stark peut encore le réparer. Encore faut-il le trouver, c'est Monsieur Stark. C'est vraiment le bazar ici. Je pense qu'ils utilisaient cet endroit comme entrepôt. Effectivement, il y a de grandes chances. En cible, hein. C'est un bâtiment qui devrait... Ah, il y avait pas de la musique là-dessus. Oh là 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 là. Ouais, il me semble que si. Ouais, 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 c'est ça. C'est cela. Merci. C'est pas forcément mieux. Non, non plus. Je croyais que tu pouvais pas couper la musique. Je me demande qui logeait ici avant. Merci pour les droits d'auteur, ça fait toujours plaisir. Kamala Khan, Private Quarters. Nice. Tu devrais aller parler à Bruce. Ouais, tu devrais. Ou alors, je pourrais explorer un peu plus maintenant que certaines portes fonctionnent. Et lui laisser le temps d'oublier qu'il m'a vu pleurer. Et récupérer les 6 ou 7 coffres qu'il y a dans la zone. Ouais, ça pourrait être intéressant. D'abord, chercher ma bouteille d'eau. Ok, nous revoilà. Très bien. Bon. Commençons par un premier coffre. Puis, normalement, un deuxième coffre. Suivi normalement d'un troisième coffre, je crois qu'il sera là-bas derrière les... Oh là 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 là... Oh ! Adieu les textures. Je vous aimais bien quand vous étiez là. Voilà, un troisième coffre. Je sais plus si c'est 6 ou si c'est 7. Non, je vais quand même équiper au fur et à mesure. Que mon niveau de puissance augmente en même temps. Quatrième coffre. Oui. Nous n'allons pas passer devant... Oh si, on va passer devant. Parfait. Ça, ce n'est pas un coffre, c'est le bouclier de Captain, pardon. Oh, trop génial. Ça aurait sa place dans un musée. Et ils ont... C'est pas la première référence qu'il y a eu à... T'en fais pas, je comprends. T'as pu trouver comment... tu sais qui. J'allais juste Indiana Jones. Tu peux me donner un coup de main de l'autre côté? Appuie. Ça attendra. Ça attendra. Ça attendra. Les 5 coffres, c'est ça? Il faudrait faire pousser des herbes ici. Ah putain. Du basilic, du thym. J'ai pas aimé cette phrase. Peut-être de l'origan. Je trouve ça tellement... Oh, celui-là, je m'en rappelais pas. Même pour un point de puissance, c'est suffisant. On va juste vérifier. Voilà. Suffisant pour me faire changer d'avis, s'entend. Là, on arrive sur le pont. Là, le laboratoire apparemment n'est pas ouvert. Là, c'est la chambre de Black Widow. Là, c'est la chambre de Hulk. Ça fait 7, il me semble. Alors, je me rappelais pas qu'il fallait appuyer sur le bouton dans la... dans la chambre de Bruce. On dirait que Hulk y a pas touché. Elle est encore bien rangée. Ou alors, Bruce fait le ménage super vite. Et la comparaison avec l'abomination? Intéressant. Du coup, je me suis dit qu'on allait nous voir refuser l'accès.
Cool. Et par ici, il n'y a strictement rien. Même la chambre de Tony Stark est fermée. Si je pouvais sauter, je sauterais. Je ne peux pas. Bon, il est toujours indiqué comme étant lootable. J'ai pas été là-haut. Profite vite fait. C'est quoi tout ça? Du matériel haute technologie. Fait comme on peut, hein. Il me semble aussi qu'il y en avait un truc par là. Voilà. Aha. J'espère que cette machine pourra m'en apprendre plus sur mes pouvoirs. Voilà tout ce que je savais autour de la bêta pour ce qu'il y avait à rechercher là-dedans. C'est parti, Bruce. Bon, voyons ce qui se passe. Bonjour, Dr. Banner. Bonjour, Jarvis. Waouh, on a réussi. L'ami informatique super génial de Tony Stark. Oh, je ne suis qu'un simple système doté d'une intelligence hors norme. Just a razor, vérité, intelligence système. Mademoiselle. Khan, mais tu peux m'appeler Kamala. C'est un plaisir, Mademoiselle Kamala. Qu'est-ce qui se passe? Oh là. Le terminal de mission n'a pas assez de jus. Le système est en verrouillage d'urgence. On dirait que j'ai déclenché les capteurs de sécurité quand j'étais dans le labo. On va devoir les désactiver. Je m'en occupe. De partir, mais je suis bloqué dans la zone. C'est parti! Ok, Bruce. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois utiliser la console qui est sur la table du labo pour désactiver les capteurs. À vos ordres. Pip! Oups. Je crois que c'est pire qu'avant. C'est pas grave. Il va juste falloir que tu désactives les capteurs de sécurité manuellement. Ce sont des petites lumières rouges. Comment je suis censé les atteindre? Tu plaisantes? Ah, oui, c'est vrai. Je peux étirer mes bras. Et tes jambes. Et tout ton corps. Et de 1. Ok, c'est facile. Tu sais, dans une de mes histoires, Iron Man doit détruire des lampadaires pour que Black Widow puisse infiltrer une base de l'Hydra. Ah oui? Génial. Je pensais pas qu'un Avenger était vraiment censé faire ça, tu vois. Enfin bon. Génial, ça a marché. Reviens ici. Tu es presque petite. Ah, les cartes des héros qui permettent de débloquer donc les fameux cosmétiques gratuits offerts par les développeurs. Ils ne sont pas gratuits, ils sont offerts par les développeurs. Tout ça, c'est offert par les développeurs, les amis. Oh. C'est pas exactement les mêmes choses. Oh, c'est stylé. C'est tellement stylé. Alors, les costumes, par contre, là, c'est exactement les mêmes. Ok. Ok. Très bien, très bien. Allons-y, la suite. Heureux, Jarvis, que t'es un peu plus en forme. Bien joué, Kamala. Merci, Jarvis, Bruce. On doit trouver Tony. Jarvis, je lance la recherche. Oh non, on dirait qu'il y a un problème, Dr. Banner. J'aime pas ça. Oh non. Il semblerait que ma liaison neurale ait été endommagée lors du crash du Chimère. C'est une technologie exclusive du SHIELD. Sans elle, je ne peux pas accéder à la base de données globale. Du SHIELD? On va appeler Maria. Maria Hill? C'est elle qui dirige le SHIELD maintenant? Plus ou moins. Personne ne sait ce qui est arrivé au directeur Fury. Oh non. Il est la seule en qui nous pouvons avoir confiance. Ce qui est très bizarre, il est la seule. Contente de vous voir. Après ma confrontation avec Hulk, je n'étais pas sûre d'avoir de vos nouvelles. Oui. Je vous présente mes excuses. Hulk traverse une période difficile. Vous n'avez pas à vous excuser. Il s'est mis au vert, pardon. Ce jour-là. Mais je suis contente de voir que les Avengers se reprennent du service. Je dirais pas ça comme ça. Bonjour. Il est devenu vegan? Kamala Khan. On n'est que deux pour l'instant. On essaye de trouver Monsieur Stark. Oui, il nous faut une liaison neurale. Vous devez bien en avoir une quelque part. Toutes nos ressources ont été saisies par l'AIM et la plupart de nos agents se cachent. Mais j'ai peut-être une idée. J'envoie les coordonnées à votre terminal de mission. Je vous ferai le briefing en chemin. Dois-je lancer Merci. Le moteur du Quinjet, monsieur? Quel Quinjet? Attends, Bruce.
Attends, deux secondes, Bruce. Et donc, quand Hulk est arrivé ici, ils se sont tous enfuis, terrorisés? En gros, oui. Et je peux pas leur en vouloir. Attends. Bruce. Quinjet? Sérieusement? Il y en avait un depuis le début? Servez-vous du terminal de mission pour choisir la prochaine destination du Quinjet. Les coordonnées fournies par le commandant Hill désignent une région isolée dans la toundra. J'ai marqué son emplacement sur le terminal. Les missions critiques dans votre enquête sur l'AIM portent le symbole A des Avengers. Logique. Je me suis dit que c'était approprié. Oui. Très bien. Certaines missions vous conduiront à affronter des ennemis avec des capacités ou des modificateurs spéciaux. Je vous recommande d'examiner avec soin les paramètres de chaque mission et de vous équiper en conséquence. Alors comme vous pouvez le voir, du coup... Les forces de l'AIM dans cette région utilisent des armes cryogéniques. Toute pièce d'équipement offrant une résistance au froid augmentera vos chances de réussite. Parfait, nous allons aller voir eux. Blizzard, donc des dangers de glace sont ajoutés à l'environnement, les dégâts de froid infligés par les ennemis et l'environnement augmentent. Pas de régénération de volonté automatique quand vous êtes dans un état critique. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en difficulté difficile, pas brutale mais difficile pour le moment en tout cas. Ce qui veut dire que non seulement en plus de la puissance de la mission qui est de 10, nous tapons un plus 5 en général sur la puissance des ennemis. Donc ça va être assez dur, mais c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est aussi pour réussir à nous en sortir. Alors pour l'instant j'ai envie de jouer sans le matchmaking, j'ai pas envie qu'on me rush mes parties pendant le let's play. Ce sera ensuite qu'on verra à quelle vitesse on ira dans le jeu. Pas du tout, je t'assure. Quand l'histoire sera terminée. Trip en camping-car, pas vrai? Non. Alors il me semble que la bêta s'arrêtait plus ou moins là. Hulk est maintenant disponible dans la sélection de héros. Ça, c'est assez génial. On va continuer avec Kamala, vu que c'est elle le personnage. Oui, je suis au courant. Voilà. J'aimerais aussi aller voir la carte des défis de Kamala pour savoir quoi faire exactement. Ok, donc on va lancer la mission, c'est parti. Bon, Hulk, on doit trouver cette liaison neurale. Peut-être qu'on pourra en apprendre plus sur ce qui est arrivé à Cap. Enfin, j'espère. Donc on peut voir qu'on est qu'à 5 de puissance. Je vous donne accès à la fréquence sécurisée du shield. Elle devrait vous mener au bunker. Attendez, je détecte des interférences. Quelque chose bloque le tracker. Essayez de trouver ce que c'est. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans une des missions Warzone de la bêta. Ce qui veut dire qu'à mon avis, au bout d'un moment, on va se trouver dans un jeu qui sera entièrement nouveau. Ce qui n'est pas une mauvaise chose après avoir fait une bêta, que de rapidement distribuer un petit peu les menus, les niveaux qu'on a déjà fait. Yem, vous pouvez le faire.
Ils ont installé leur propre base dans la même zone. Essayez de ne pas vous faire repérer. Pastache, pas vrai, Hulk? Pas d'inquiétude. Je vais vous guider jusqu'au brouilleur de signaux. Apparemment, j'ai un bonus de puissance quelque part. Mais non. Non, non, je ne veux pas gaspiller mes ressources pour ça. Par contre, si je vois qu'il y a des choses sur la carte, on va aller les faire, forcément. C'est un vaisseau de l'IM. Je détecte une unité d'élite de l'IM. Le signal devrait être quelque part par là. Et vous obtiendrez peut-être quelque chose. J'ai entendu. Fini de rigoler. Allez, dégage. Faut qu'on en termine d'abord avec... Niveau 4, génial. Alors, pour ceux que ça intéresse, qui veulent jouer au jeu de manière... on va dire, optimisée... Le niveau de difficulté n'augmente pas l'XP gagné. Donc si augmenter vos niveaux est la première de vos... par contre... Et la première de vos... Est-ce que tu veux bien la réanimer? Je me suis servi de la frame d'invincibilité. Je vais y arriver à dire ma phrase, voilà, merci. Première de vos priorités, vous pouvez tout simplement jouer en mode facile pour gagner autant d'XP et par contre avoir des ennemis beaucoup plus simples à abattre. J'en vois pas d'autres. Moi, j'essaie d'orienter un petit peu les deux, d'augmenter un petit peu les difficultés pour que ce soit un peu plus spectaculaire à regarder et donc forcément aussi un peu plus, on va pas dire sympa, mais presque. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Non, c'est vrai? Je m'en doutais un petit peu, ils vont pas laisser une zone vide à côté. C'est joli ici en tout cas. Est-ce que c'est un des premiers équipements à avoir du... Non. Apparemment non. Ça, ça a l'air quand même bien mieux que ce que j'ai. Ça aussi. Si je puis me permettre. Je peux prendre une photographie du paysage pour pouvoir l'admirer plus tard. Merci, oui, Jarvis. Désolé, on se concentre. Hop. Alors, une grosse partie du jeu reste sur des zones assez ouvertes, apparemment. Hein. En tout cas, on en a vu quelques-unes. Je dois être plus près pour infiltrer le système. Ok, très bien. On va avoir fait... J'allais dire un joli petit tour, mais clairement il y a encore des zones gigantesques à découvrir. Mais elles sont pas forcément remplies. Vous allez devoir vous occuper de ce qui perturbe le signal avant de chercher le bunker. T'inquiète, t'inquiète. Mes excuses, continuez. T'as osé essayer de presser Hulk? Ça ne va pas? T'as pas peur? Il y a un conteneur de ressources spécial à proximité. Je sais, c'est ce que je cherche. En vrai, je sais pas si c'est censé être atteignable, mais si par un quelconque moyen ça l'est, je suis impressionné parce que je le vois pas en fait. Hop, le petit coup de boot. Les ressources, ça fait toujours plaisir, hein. À mon avis ça va être nécessaire pour farmer en endgame. Très bizarre de parler de Marvel's Avengers Endgame sans parler de du endgame, le film.
C'est là-bas qu'on a affronté le méchant, du coup on peut faire de la ligne droite pour progresser un peu. Hop. Je vois des plateformes, je me rends sur ces plateformes. Petit Kamala veut bien m'y emmener, voilà. Hop les. Excusez-moi. Non, autant pour moi. Hop là. Je sais pas pourquoi il m'affichait ça comme ça. Si c'était ultra important. Je m'en suis souvenu, mais in extremis. C'était dit exprès hein, de cette manière. In extremis. Oh, dépôt. Je suis au courant. Qu'il y a dans ce bâtiment de la IM. Si vous voulez en savoir plus. Il devrait y avoir un mécanisme de verrouillage externe pour ouvrir les portes. Je crois que j'ai tombé dans le trou. Une sorte d'interrupteur. Tu peux regarder si t'en trouves un par ici, Hulk. Hop les. Les âmes, ouvre-toi. J'aurais pas mieux dit. Résistance au froid. Nice. Oh, du niveau 9 de puissance. Waouh, nice. Donc, est-ce que ce fameux niveau 9 de puissance n'est pas justement un des résultats de la difficulté difficile? Peut-être. Auquel cas, ce serait assez génial. Il semblerait que nous ayons été repérés par des ennemis. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Alors t'inquiète pas, non seulement je vais chercher le coffre d'équipement, mais après je vais revenir là parce que là-bas il y a un coffre. C'est quoi? Fuck it. On y est. Hop là. Salut. Un artefact, nice. Augmente la puissance, la vitesse de rechargement des capacités héroïques de soutien. Bon, c'est pour le heal, mais c'est pas mal. Salut. C'est pour le Maria heal. Pardon, c'était facile. Hop là, salut. Est-ce qu'il va me suivre jusqu'ici? Oh, une nouvelle plaque, nice. Ça fait toujours plaisir. Franchement, ça, je m'en rappelais pas. Peut-être ? Non. Ce petit punch de l'irrespect. Quoi ? C'est quand même pas ça la mission. C'est sûrement cette antenne qui brouille notre signal. Vous allez devoir affronter les forces de l'AIM pour l'atteindre. On va leur montrer, mon grand. Oula. Faut que je fasse des kills en leur sautant par-dessus. Ah,
Donc là, pour le coup, ça va être beaucoup moins ouf. Ah, ça jette un froid. J'essaie de libérer le signal. Restez à proximité du système de sécurité. On a perdu la pression. Ah, c'est pas le mode de jeu le plus ouf. Bah, les couilles, j'ai deux loot là, je vais aller les chercher. Oh, Hulk. Oh, ça doit faire mal. Dans la zone de froid. Progresse. Tenez les forces de l'AIM à distance du système de sécurité, s'il vous plaît. Dommage. On est en train de perdre, mais comme si c'était surprenant. Oh ! Va falloir que cela cesse. Hé, top là ! J'ai presque pris le contrôle du système de sécurité. Tenez encore un peu. D'accord, je suis hors de portée même avec le gros coup. Ah, je pensais que ça allait me protéger du gel. Cette transformation, mais non. Ces ennemis doivent être neutralisés. Ah ouais, bah c'est maintenant que tu me le dis. Ah. Ah la vache. T'es où, Hulk? Par là. Allez. Par les flancs. Oh, j'ai réussi à parer le... maintenant. C'est quand même ultra tendu là. Le cœur vous mènera jusqu'au bon cœur du shield. Il faut suivre les bips. C'est parti. Je suis un peu stupide peut-être de jouer de cette manière, mais ça rend le jeu quand même complètement différent. On va pouvoir se réchauffer, Hulk. Au fait, tu ressens le froid ? Non, je pense. Les données ne sont pas concluantes. Je pense qu'il ressent le froid. Trouver le bunker du shield est plus difficile que prévu. Mais non, tout est relatif. Comparer l'équipement, pas besoin. 7, c'est toujours ça de près. Va falloir que je fasse du nettoyage.
J'aurais préféré profiter pour mettre un costume attention, un peu plus coloré. Que la fête commence. Donc apparemment notre objectif actuel est de rejoindre tout simplement la suite de la mission, mais je vais quand même aller visiter un petit peu autour. Dis Jarvis, tu crois que l'AIM recherche aussi le bunker du Shield? C'est très probable, Mademoiselle Khan. L'endroit est sympa. Avez-vous besoin d'autre chose, Mademoiselle Khan? Non, non, on va se débrouiller. Hop là, c'est cadeau, merci beaucoup. Est-ce que j'irai pas visiter la zone avant? Mais apparemment, y'a rien. Enfin, y'a rien. Pour trouver le bunker du Shield, suivez attentivement le détecteur de signal. Ouais, y'a rien, Marcus. Ouais. Bon, y'a que des ressources. Je m'attendais un peu mieux, je dois l'admettre. Mais écoutez, ça restait valable. C'est pas le genre de structure auquel je m'attendais, donc ça restait valable. Il semble qu'on est bon dans cette direction. On approche. Tu vois quelque chose? Non. Je sais plus où est la... le petit bouton. Ah, c'est là. Hop là. Tic tic. Sésame, ouvre-toi. Je crois que j'ai trouvé. Beau travail. Espérons que la liaison neurale soit à l'intérieur. Tu vas bientôt pouvoir être de nouveau toi-même, Jarvis. Merci. Oui. Il est assez déplaisant d'exister sans bénéficier d'un accès instantané à toutes les informations de l'univers connu. J'ai d'ouvrir la porte, mais ça veut pas. Hein. Hop là. Ça fait quoi? De pas avoir de liaison, je veux dire. C'est comme une sorte d'amnésie? Je ne suis pas certain de ce que l'équivalent humain pourrait être. J'imagine que ce serait comme être interdit de bibliothèque. Oh, comme quand Ami éteint le wifi. Par exemple. Alors, c'est si je vais voir dans tous les recoins de la map, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que c'est sympa, moi j'aime bien explorer un petit peu, trouver des trucs comme ça un petit peu cachés, un petit peu secrets. On va pouvoir fouiller partout. Mais aussi, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui apparaît sur la map à chaque fois que vous lancez une mission est différent. Ce qui permet en fait d'avoir une espèce de non-redondance. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas pour les missions de la campagne. Et pour les missions Warzone en fait, par exemple, ils vont dispatcher les coffres, on peut voir par exemple ici, à différents endroits en fonction de chaque fois que vous lancez la mission. Donc ça veut dire que débloquer, trouver ces lieux un petit peu plus secrets que les autres... Comme ça permet aussi de découvrir les points d'intérêt de la map en fait, tout simplement. Qui vous permet de vous souvenir parfois de... Ah, c'est vrai, il y avait cette corniche là dans ce niveau. Peut-être que cette fois-ci, il y aura quelque chose si j'y vais, par exemple. Level up, level up, level up, level up. J'avais oublié que j'avais level up.
Ok, c'est parti. Ouh, il y a un coffre. Ok, c'est parti. Ah, non, attendez, il y a un coffre. Il y en a même deux. Hop, allez. J'ai pas cliqué sur ça. Ok. Très bien. On a toujours rien sur certaines pièces d'équipement, malheureusement. Bon, on va arriver dans le dur. La partie finale de la mission. Cool. Eh, mais on en a vu une pièce comme ça dans le... Pas terminé. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que nous avons déclenché un système de sécurité secret du Chine. Avenger détecté. Bonjour Avengers. Ça fait longtemps. Sachibeli Dana. Nick Fury ? Si vous entendez ça, alors le pire est arrivé. Ils m'ont eu. Et ça veut dire que j'ai besoin de vous plus que jamais. J'ai toujours craint que le Shield de s'effondre. J'ai donc fait en sorte qu'il puisse se relever. Voici les protocoles du Shield. Le Shield fut créé pour défendre le monde. Dans un moment comme celui-ci, où tout semble perdu, nous devons nous lever et faire front. Rendez-moi service. Apportez ces protocoles au sous-directeur actuel. Ils permettront au Shield de se reconstruire. Bonne chance, Avengers. Terminé. C'était Nick Fury, le directeur du Shield. Les protocoles dont il a parlé. Blablabla. Oh, les détails. Les détails de ouf. Pardon, hein. Wouhou! Wouhou, x2! Wouhou, x3! Alors, en vrai, si je voulais vraiment optimiser à fond, je devrais mettre à chaque fois le meilleur stuff possible et imaginable. Et pour le coup, on n'a pas obtenu mieux. Alors, gros bouton rouge. C'est la IM. Ils ont dû vous suivre. Protégez la liaison. Je pense pouvoir transférer les protocoles sur un serveur sécurisé. On doit rapporter ces données aux chimères. Tu penses qu'on peut s'occuper d'eux ? Dégagez ! Voir. Ah, le framerate. On avait pas encore eu de baisse. Oh, ce combo qu'ils m'ont fait. Par contre, si je t'envoie en l'air... Y'a une bonne raison la plupart du temps. Ah, j'en ai touché 3. Il fait partie des missions que j'ai à faire. Oh, ça l'a attiré. Intéressant. Ah oui, c'était la grosse de Hulk, d'accord. Waouh. Ah, je pensais pas qu'il serait à portée. Oh, c'est l'autre qui m'agresse. Je viens de me soigner, bitch! Et bouffe! Les fichiers sont sécurisés. Et on a la liaison neurale. Le loot! Le loot, il est à 1 mètre! J'arrive pas à avancer pour aller le chercher! Le loot! Le loot! Non! Le loot! Ah, ah, le loot, le précieux loot. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça, Jarvis? Pourquoi tu m'as bloqué sur place? C'est pas sympa. La perfection est rien d'autre. Eh oui, 100% de mission. On s'en sort mieux que prévu, pas vrai, Jarvis?
Rémi de mission. Oui, écoute, je configuration de l'itinéraire. Du violet. Oh, tu 16. Ah bah oui, tu m'étonnes que ça booste. Ce sera même du 17, puisqu'il faut que je débloque le niveau suivant de... Nice. Hop là. Qu'on se rhabille en normal parce qu'on rentre à la maison. Ah. Il voulait pas, hein. Voyage vers la destination en cours. Maintenant que la liaison neurale a été installée avec succès. Donc il y en avait une sur le bureau, on a récupéré la... Le directeur Hill examine les protocoles SHIELD que vous avez également récupérés. Tu te sens mieux, Jarvis? Tout semble être en état de marche. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi. Pour le SHIELD. Merci, Bruce. Et merci, Kamala. Avec ça, je vais pouvoir commencer à reconstruire le SHIELD. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je pense qu'on va se voir beaucoup plus dorénavant. Avec plaisir, madame la directrice. Est-ce que je suis censée faire un salut ou... Non, ce n'est pas la peine. Bonne chance à tous les deux. Jarvis, tu crois que tu peux nous trouver Tony? Il va me falloir un moment, mais je devrais pouvoir trouver monsieur Stark. En attendant, j'ai trouvé quelque chose qui devrait intéresser mademoiselle Khan dans la salle armes. Dans la quoi? La machine de réalité augmentée holographique. Les Avengers l'utilisent pour s'entraîner. Wow, ça a l'air génial! Waouh, les Avengers s'entraînent! Il y a un petit peu de ça aussi! Cependant, je préfère vous prévenir que le système risque d'être inconstant. C'est pas dangereux? Le risque de blessure est de 0,0001%. Ok. Je te fais confiance. Je crois. Traverser les quartiers de l'équipage. Je crois. La pièce arme est située à l'étage inférieur du hangar. Merci, Jarvis. Dans le nord-ouest pacifique. Ce que vous venez de voir est une... Deux machines à soda. La deuxième a été installée à la demande de monsieur Odinson. Elle sert de l'hydrogène. Odinson. Il y avait une inscription. Je l'ai reçu d'un contact anonyme qui m'a raconté... Attends, il y avait une inscription. Et finis ta phrase. Et de rugissements bien reconnaissables. C'est là que les Avengers prenaient leur pause. Il reste peut-être du soda là-dedans. Il doit plus y avoir de bulles après 5 ans. Nous savons que cette zone est située à proximité. J'ai du mal à croire que c'est réel. Un Quinjet vient de me déposer sur une base secrète du SHIELD, on a vu Nick Fury, et là je suis en train de parler avec Jarvis, et je suis en train de perdre mon calme. Désolée. Inutile de vous excuser, mademoiselle Khan. En vrai, vu tout ce qu'elle fait pour le SHIELD, il n'y a aucune raison qu'elle s'excuse, c'est vrai. On peut pas sauter, c'est vrai, dans cette région. Vérifie qu'il n'y ait pas quand même de petits comics de planquer quelque part. Ou de petits comics de planquer quelque part aussi. Même si j'ose pas imaginer à quel point cette zone va s'ouvrir. Oh. Quand même loin d'être moche comme jeu. Je suis surpris, à vrai dire. Tous les bugs graphiques que je... me fera le plaisir de... Je suis surprise que ce truc ait pu faire l'aller-retour depuis les archives sans problème. Les archives d'Olympia? Ouais, c'est là qu'on t'a trouvé. Il en reste plus grand chose. Encore une fois, une très très bonne direction artistique fait beaucoup de travail. Hein. Et vous voyez, même le désordre qui est là est loin d'être moche finalement. Puisqu'il est rempli de petits détails, pardon. Et puis surtout, c'est moi qui fous le bordel, hein. C'est ça qu'il faut dire. Sésame. Écarte-toi. Non, c'est pas ça. Ok. On y est. Donc on est toujours finalement dans la bêta, parce que je me souvenais pas du tout de cette mission, pour le coup. Je suis prête. J'active le parce qu'elle ressemble sans doute à une mission Warzone de base.
J'avais complètement oublié les détails. Voici Arm, la machine de réalité augmentée holographique. Je suis Iron Man. En effet, j'ai connecté l'ancien simulateur de vol de Monsieur Stark. J'espère que cela vous convient. Tu veux rire? Je suis Iron Man. Gare à vous, méchant virtuel. Excellent travail. C'est kiffant. Ah, les esquives, si tu veux. C'était admirable. Ah, ça l'explose. J'aurais bien aimé pouvoir l'exploser ensuite. Pas extrêmement complexe. Je sais plus s'il y a un vrai niveau de arme à la fin. Peut-être, peut-être. Ah non. C'était admirable. Je sais. Mais je suis pas l'admirable Iron Man. Énergie intrinsèque. Essayer de la... C'est pas ce que je voulais faire. C'était ce qui est parfaite. Ça fera l'affaire, je crois. Bien joué. Toujours pas de... En fait, la surcharge, faut que ce soit full charge et... Wouhou. Ça, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Off. Ouais, enfin. Ah. C'est le laps pour esquiver est ridiculement petit. Wouh. Incroyable. Oh, je reprends tout le truc. Le laps de temps pour esquiver est ridiculement petit. C'est ridicule, c'est tout petit pour Les
d'abord. Hop. S'ils ont un bouclier. Et là, je suis comment? Ça, c'est un peu dommage. Essayons autre chose. C'est assez cool. C'est quand même assez cool. Bug de lumière. Commençons par les petits. Il arrête pas automatiquement le vol en fait. Ok. Eh ben j'ai gaspillé un coup. Bon, qu'il reste plus que toi. Faux ce qu'il m'a mis. Raté. Raté. C'est pas mes capacités qui rend le combat assez compliqué. Fou. La fin du combat a été difficile pour le gros robot. Il manque les trois capacités d'Iron Man pour le coup. Stark. Allons-y. Oh, c'est terrible. C'est terrible. La dernière position connue de Monsieur Stark est la maison de ses ancêtres, Acre Doré. Vous pouvez peut-être y trouver un indice sur l'endroit où il se trouve actuellement. J'en avais jamais entendu parler. Il a pas l'air de vouloir être retrouvé. Non, effectivement. La propriété est située dans une région reculée du Nevada. Je peux vous fournir ses coordonnées précises. Il reste américain jusqu'au bout des tétons. Hein. Ah. Suivi de mission, d'accord. Ok. On a les défis armes qui peuvent apporter du comment. Modèle épique. De l'expérience. C'est assez ouf. Alliance des Inhumains. Faction du Shield. Faction Alliance des Inhumains et un modèle épique. Je pense que le modèle, ça doit être une skin. Entraînement arme Hulk. Donc ça, c'est ceux spécialisés dans le... D'accord. Et là, donc, de l'équipement pour Hulk. Et un cosmétique pour Hulk. Nice. C'est bien fait. C'est génial. Ça donne envie. D'accord. Et donc je peux suivre chacun de ces objectifs, les sélectionner jusqu'à 5 objectifs différents. Ok, très bien, très très bien. Incroyable, assez incroyable. Eh bien écoutez les amis, ça fait... Attendez, il va sans doute y avoir... Docteur Banner, voilà. J'ai terminé les analyses que vous m'aviez demandées et découvert des traces résiduelles de radiation gamma dans une région isolée du nord-ouest pacifique. Il semble que Madame Rapacini se serve de vos recherches pour y réaliser des expériences. J'ai marqué l'emplacement sur le terminal de mission. Voilà. Donc tout ce qui est mission emblématique et mission d'histoire sera fait en vidéo pendant le jeu normal. Il existe cependant d'autres petites missions que je ferai en off, ce qui m'amènera de faire rattraper par exemple à certains personnages le manque d'XP ou d'équipement qu'ils n'ont pas eu pendant l'avancée, la progression du jeu. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, je sais que c'est toujours un petit peu long à regarder, hein, 2 heures environ, mais j'espère que ça vous plaît d'avoir toute l'histoire comme ça d'un seul coup qui arrive en longue mission.
Donc de faire des épisodes de 30 minutes qui couperaient la mission en deux, etc., etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve donc demain pour la suite de l'aventure. Salut les gens et yop !